شكرغدق بيرينينا تطع عاد الزينة فلك تغنى نشو عرانا أتي ججينا تدرينينا هسرت سكرينا Oui, ce que je voulais dire, et donc c'est très important, si vous voulez, que quand j'ai été initiée à la poterie, il a fallu que je revienne après. Je ne pouvais pas, on ne pouvait pas brûler, il faut attendre le truc. Il faut que les poteries deviennent vertes comme les champs, tu vois. On compare toujours tout par rapport à la terre, et également quand on fait des choses de la terre, quand on travaille avec tout ça, il y a toujours des rites qui font que pour une poterie, par exemple, on fait un mariage humain. C'est pour ça que ça s'appelle la naissance. Vous pouvez lire mon livre 1 si vous avez le temps ou envie. Voilà, question. Maintenant, je parle. Vas-y. Après, j'attaque la deuxième. Et j'ai fait les 4 phases de la vie d'une femme. C'est la première phase, la deuxième phase, la troisième phase, la quatrième phase, vous avez compris. C'est l'enfance, la femme enceinte, la femme mère et la grand-mère. La femme enceinte est une phase capitale de la vie d'une femme quand elle est enceinte. Elle n'a pas besoin d'être enceinte. Mais si elle est enceinte pour transmettre la vie, la femme enceinte est quelque chose de très important, parce qu'en Kabylie, on estime que la femme crée quelque chose dans son ventre, ce qu'on oublie très souvent. La femme ne fait pas seulement un enfant, elle fait un humain, elle lui donne la vie, elle lui donne tout ce qu'il faut, il faut qu'elle le fasse, même si elle n'est que le transport, l'intermédiaire, l'instrument d'une force qui s'appelle la vie. C'est quand même elle qui doit donner son sang, sa respiration, etc. Et la femme enceinte n'a pas le droit, par exemple, d'aller dans un cimetière. Quand on est enceinte, on ne va pas sortir. Quand on est enceinte, on ne doit pas manger certains trucs, sinon c'est mauvais. Quand on est enceinte, il y a tellement de choses qui font que cette phase est capitale chez Kabylie. Quand on voit, par exemple, la femme enceinte est comparée toujours au cubacé, c'est-à-dire au melon, au pastèque. Il y a toujours un rapport de la terre, c'est très intéressant de faire ça quand on s'intéresse à la langue kabyle, avec les mots qui correspondent. On parle de la femme comme quelqu'un qui porte des melons, etc. Et quand l'enfant naît, chez nous par exemple, et au Haïti Lichem aussi, on se dit toujours Ego, Ego, Ego. La lune est née, c'est une nouvelle lune qui naît. C'est toute une cosmogonie, c'est une chose extraordinaire que la femme s'imaginait, puisqu'elle parlait comme ça, de mettre au monde des êtres astraux, quelque chose de magnifique. Aujourd'hui, on fait un enfant, puis quelquefois on va à droite, l'adoption. En Kabylie, il n'y avait pas ce genre de choses. Alors ça, c'est la femme enceinte. Donc, je vais faire la... Elles sont belles, hein, ces femmes. Ah, celle-là, j'aime bien. Ah, c'est bien, c'était des femmes de tout. Je vais vite vous parler des rites de la naissance. Les rites de l'accouchement, je vais dire, sont le domaine exclusif des mères, car transmettre la vie était une expérience que seules les femmes pouvaient partager entre elles. Un homme kabyle n'est pas gêné, il n'a pas besoin de venir à l'accouchement. Hein, on est obligé de prendre le mari quand on n'a plus de famille à l'étranger. Mais une femme kabyle qui a appris que les femmes de l'Europe, j'avais expliqué, hein, c'est la tante de même, quand elle a appris que les pères étaient présents, elle était tellement triste, elle en pleurait presque, et elle m'a dit « Amalika, pourquoi vous faites ça ?» Je lui ai dit « Moi, j'en sais rien, moi, je n'ai pas moi qui l'ai inventé, hein, je veux dire, ils vont chercher leur mari, etc. » Elle dit « Pourquoi vous faites assister des étrangers, que ce soit homme ou quelqu'un d'autre, puisque la vie, de toute façon, que ce soit des garçons, des filles, c'est vous qui le faites. Moi, je suis une femme, c'est normal que je me clone. Je peux faire un garçon, une fille. Mais moi, je suis une femme, et j'ai fait un garçon, moi, je n'ai qu'un garçon. J'ai fait un garçon, il n'est pas à mon image, et pourtant, j'ai fait un garçon. Ça veut dire que les femmes sont mères aussi des hommes et des femmes. Les femmes sont les mères des fils, et les kabyles le savent. Les hommes kabyles n'ont aucun problème à ce sujet, puisque dans ma culture, comme j'ai vécu, etc., je me rappelle d'avoir posé la question à mon père en lui disant « Veva, c'est qui? C'est mieux? C'est pas Tati ?» Il m'a dit « Tu sais, Malika, pas de mieux ou pas de mieux. » Il m'a dit une chose qui est sûre, c'est les femmes qui portent la vie en elles. Donc c'est un grand respect des femmes. Les hommes en Kabylie respectaient le fait que les femmes faisaient des enfants. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, je connais des scientifiques qui étudient pour remplacer l'utérus de la femme par celle d'une chèvre. Aujourd'hui, on parle de mère porteuse, etc. Parce que justement, les hommes ont voulu prendre la création de la femme. Simone de Beauvoir a parlé de ça.
Moi, je suis d'accord, mais chez, en Kabylie, c'était tout un truc normal. Les hommes étaient là. Sans un homme, on ne peut pas faire une femme, un enfant. Mais la femme savait qu'elle était la porteuse de la vie. Elle faisait les garçons et les filles. Est-ce que c'est vrai? C'est comme ça, il n'y avait pas de problème. Hein? Et là, c'est intéressant ce qu'a dit Mila. Alors, je voulais vous dire aussi que la naissance d'un enfant en Kabylie n'est pas individuelle. C'est-à-dire qu'en Kabylie, quand il y a deux naissances dans le même village, on n'aimait pas ça. Ça, c'est mon cousin, ou je ne sais pas quoi, il est né. C'était pas bien parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est né. Pourquoi? Tu connais, vous connaissez ça, non? Comme quoi, on n'aime pas les femmes. Ramani a écrit ça. Ramani a beaucoup travaillé sur les rites de l'accouchement chez la femme kabyle. Il a écrit parce que, nous on le sait, c'est qu'on dit que égal, il faut partager la lune. C'est-à-dire que s'il y a deux, trois naissances, la lune, il faut qu'on la partage, la force de la lune. Toute cette idée des forces de la nature est présente. Et c'est pour ça que quand, pour mon cousin, quand il est né, sa mère, il fallait qu'elle aille, et qu'il fallait qu'elle aille dans un endroit. Il fallait qu'elle aille dans un endroit pour parler justement à la lune. Alors on attend la pleine lune, au troisième jour. Tu connais ça, toi? Troisième jour, on va là-bas, il fallait qu'elle dise, elle a pris une... Tu sais, on prenait le miroir avant, miroir kabyle. Ou alors on prenait... Tu te rappelles qu'il y avait la chiche, là, je ne sais pas ce que prenaient les hommes, là. On prenait ça parce que c'est comme de l'argent. Ça ressemble, c'est ça, je veux dire. Ça ressemble à la lune. Alors on prend ça, parce qu'on a qu'il n'y avait pas de... Et on prend ça, et on reflète la lune, et on lui dit, ah, go, etc. Fais attention, donne la force à mon fils. Et beaucoup de femmes kabyles disent que leurs enfants sont chétifs, sont malades, parce qu'ils sont nés le même jour avec les autres. Il fallait partager la force de la lune. Vous ne saviez pas ça? Non. C'est un truc très important chez les kabyles. C'est pour ça que les femmes kabyles travaillent beaucoup, par exemple, avec la lune, qui font descendre dans l'eau. Tu sais bien. Ça existe. Hein. Ce sont des rites qui ont été écrits chez les Romains. Hein. C'est très intéressant. Bon, donc ça, c'est important. La naissance chez les kabyles n'est pas individuelle. Et puis, il ne faut pas oublier quand même que chez les kabyles, la naissance, ce n'est pas que la femme qui a naissance. Un enfant, toi, tu n'es pas un enfant comme moi. On n'est pas un enfant seulement d'une femme et d'un homme. On est un enfant d'un clan. C'est-à-dire que s'il y a un problème dans le groupe, les autres mères, elles vont s'en occuper, les autres pères, ils vont s'occuper. Je veux dire, ce n'est pas que pour nous, c'est l'enfant. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est vrai, on oublie, mais autrefois, quand on faisait le recensement en Kabylie, on ne disait jamais 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes. On parlait d'Aram. On disait ici, il y avait ça de Aram, là il y avait oh non. On comptait le nombre de clans d'Aram. Vous connaissez ça? Nous, on connaît bien. Alors voilà, la première phase de l'enfance, donc on va vite y aller, ça fait le sens de la première phase. Je vais vite. La fille devient une femme, une mère potentielle, avec la première menstruation et non pas avec le mariage ou la perte de la virginité. C'est l'islam qui nous a apporté la perte de la virginité, ou la France, ou les chrétiens. Et il ne faut pas oublier qu'une femme devient une femme quand elle est premièrement une femme. Et là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rites kabyles. Autrefois, les mères prenaient leurs filles et les instruisaient. Elles leur expliquaient des choses. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Mais avant, par exemple, on portait une ceinture rouge. C'est bien plus tard qu'après, on porte la ceinture noire. Et à la ménopause, par exemple, c'est très simple. Moi, je me rappelais de quelqu'un, je lui disais, ah, c'était une très belle ceinture. Et elle avait des nœuds. Je lui dis, mais ça fait même ça, c'est tous les enfants que j'ai fait. Donc, elle faisait à chaque fois un nœud quand elle faisait un accouchement, elle faisait ça. Donc, il faut bien comprendre que la femme ne devient une femme et une mère potentielle. Ça ne veut pas dire qu'elle va devenir mère, on n'est pas obligé, hein, comme tout le monde le dit, mais elle est femme, tandis qu'un homme, il devient homme par le mariage. C'est pour ça que les Kabyles ont toujours marié leur fils, elles ont toujours cherché à avoir la meilleure femme pour leur fils. Elles aimaient tellement leur fils qu'elles leur cherchaient une jolie femme. Elles essayaient de prendre la meilleure femme du groupe, qu'elle soit une femme qui soit sérieuse. Ce n'était pas une femme seulement pour faire les enfants, c'était une femme qui dirigeait la maison. Une femme qui est bien en Kabylie, c'est la femme qui sait tenir son mari. Si mon mari n'est pas bien, il sort comme un voyou, je lui dis, écoute, mère, tu t'arranges. Il me dit, oui, mais attends. Je lui dis, attends, il faut dire que je n'ai pas repassé, que je n'ai pas fait. Non, il n'y a pas que ça. Il y a tout un amour, si tu veux, de respect de son partenaire pour que l'aram où on vit, l'enfant, etc., soit bien vu. C'est pour ça que les femmes qui habitent d'avant étaient d'une propreté, elles s'occupaient bien, etc. Elles faisaient tout pour que cet homme soit bien. Ce qu'on ne fait plus aujourd'hui. Ce que
connaissons, nous embêtent. Hein. Alors, ils ne prennent pas. Non, mais c'est vrai, je veux dire. Je pense que le culte des mères, comme on dit, le culte des mères est un culte qui respecte l'homme. Et parce qu'une femme veut être mère, parce qu'elle est heureuse dans la maternité, parce qu'elle est femme et en même temps maternelle, elle n'est pas seulement, elle ne fait pas des bébés, comme ils m'ont dit, vous êtes des machines lavées, vous ne faites que des enfants. Je ne dis pas du tout, vous n'avez rien compris. On fait les enfants parce qu'on les aime. Moi, j'aurais aimé en avoir 10. Je n'ai pas pu en avoir 10 parce que j'étais dans une société où j'avais ni une belle-mère, ni des gens, ni personne qui pouvait s'occuper de mes enfants. En Amérique, ça ne se faisait pas, je ne pouvais pas payer quelqu'un, personne voulait travailler chez moi, ils ne connaissaient pas. J'étais étrangère. Alors que chez nous, c'est pas pareil. On était contents d'avoir des enfants. Sinon, les femmes kabyles n'avaient pas besoin de vous, ni de la pilule. Les femmes kabyles savaient arrêter une grossesse. Un exemple, une femme, je ne veux plus de grossesse, moi je vous dis, je sais très bien ce qu'on doit faire. On prend nos trucs, là, avant le dernier enfant, on prend le cordon ombilical, vous connaissez ça. Le placenta, on ne l'enterre pas sous les... On ne va pas l'enterrer sous le figuier pour qu'il pousse. Parce qu'il va, il va se régénérer au pied du feu. On va l'enterrer à la limite d'un champ. Je sais quand ça se termine. Vous savez pas ça? Personne ne sait? Non? J'ai entendu parler, mais je croyais que c'était pas... ça se faisait pas. Mais les femmes n'en parlent pas. Il n'y a que moi, il n'y a que nous qui parlons maintenant. On est devenus très modernes. On explique. Mais c'est vrai. Je veux vous parler des Européens. Je ne vais pas tout raconter ici, quand même. Je vous connais pas assez. Il faudrait qu'on soit vraiment dans l'intimité pour que je vous raconte comment on fait avec l'accouchement. Il faudrait que je vous dise comment on fait quand une femme ne peut pas, quand il y a ça, etc. C'est pas possible. Mais on peut quand même dire des choses sans truc, sans histoire, parce que ça fait partie de la vie. Les femmes kabyles savaient ce que c'était que la vie, ce qu'elle la faisait. Elle n'avait pas de médecin. Moi, ma mère n'avait ni de médecin ni rien. Et personne. Jusqu'à 17 ans que je suis partie en France, je n'ai même pas vu un médecin. C'est tous les gens chez moi qui nous ont guéri en cabinet. Bon, je termine vite. Alors, pour le garçon, le mariage a un caractère... Alors, ça, c'est bien. J'adore cette... je ne sais pas si vous pouvez bien lire. J'adore mes choses inouïes. Ce sont les femmes qui cherchent, choisissent et trouvent l'épouse. C'est traduit plus ou moins bien. Qu'un homme ait des proches ou qu'il soit seul. Il envoie même une étrangère de confiance, car c'est toujours une femme à qui on s'adresse pour chercher... une femme pour chercher une épouse. Jamais un homme kabyle à nous, mes parents, etc., mais d'aller rechercher à la femme. Mais d'aller chercher une femme, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas chez nous. On se marie, bon, il y a tous des trucs, des choses, on épouse normalement le clan dans lequel on est. On se marie dans le... c'est endogame. On se marie dans le village. On va pas chercher un village d'à côté, parce que ça pourrait créer des problèmes. Après, ce n'était plus possible. Mais on se marie dans le clan. Les femmes kabyles savaient, comme les hommes, mais surtout les femmes savaient, les interdits du sang. Ça veut dire, moi, je dis à maman, pourquoi je n'aurais pas pu épouser Saïd? Elle m'a dit, parce que tu comprends, ta vie, ta. Je dis à maman, pourquoi je ne pouvais pas l'épouser? C'était mon cousin. Ben, elle m'a dit, parce que tu comprends, il fallait monter en haut. Ils ont une mémoire, ces femmes. Ces hommes, Kabyle aussi, ils avaient une mémoire, j'ai plus de mémoire. De toute façon, j'ai plus de mémoire, parce que j'ai bouquin, vous comprenez? Mais non, pas de bouquin, hein, c'est dans la tête. Mais alors, elle disait, comme l'autre, c'était la mère de l'autre. Comme celui-là, c'était celui-là, donc l'autre, patati, en fait, j'ai jamais compris, j'ai fait une biologie, mais moi. Je ne suis pas si pauvre en instruction que ça. J'ai quand même fait un diplôme universitaire d'études générales en biologie, mais je n'arrivais pas à suivre, parce que ma mère avait une connaissance, comme les autres femmes, hein, je parle de ma mère, une connaissance qu'elle savait redonner. Vous comprenez? Ça vous paraît bien ce que je dis? Oui, ça vous va. Oui, c'est vous qui devez. C'est un entretemps. Quand on parlait du village, ce n'est plus l'Ottawa, le centre, tous ces jeunes. Pas du tout pareil. Ils ne se retrouveront plus jamais dans cette situation. Est-ce qu'il est important quand même de leur expliquer? Moi, j'ai travaillé sur la société traditionnelle. Qu'ils sachent plus. Qu'ils sachent les valeurs de leurs ancêtres, mais on ne peut pas leur dire que c'est des choses à suivre parce qu'ils ne se retrouveront pas dans...